Il y a des nuages partout. Ça, c'est colossal. C'est quoi ça? C'est le fruit du ciel. Le fruit du ciel? Un nuage extraordinaire. Ça pèse combien? C'est énorme. 300 kilos. Et c'est pour solider le barman, là. Si tu veux de l'eau plus directe, il y a un nuage à robinet là-bas. Et si on ouvre les robinets, il y a l'eau qui descend, ou bien? Il y a l'eau qui... Si tu ouvres le robinet, il y a le gardien qui vient te chasser. Qui te chasse. C'est assez exceptionnel de voir cet environnement ancien qui se marie si bien avec cette exposition super moderne, et ça donne à réfléchir et ça provoque l'imagination, en fait. C'est ça qui est intéressant. Cette baladée, avoir vu les Magritte et les Tony Gragg et toutes les œuvres, on est maintenant dans un nuage. C'est incroyable. On est dans le vif du sujet, on rentre dans le nuage. Ça, j'ai pas encore vu. Voilà. Ça, c'est une première, ça, voilà. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est colossal, ça. Et selon le vent, ça fait quoi? Ça fait des cumulonimbus. C'est vraiment une œuvre tout à fait extraordinaire, une œuvre d'art extraordinaire qui est, pour moi, en tous les cas, quelque chose que j'ai jamais encore vu jusqu'à présent. Et je pense que ça vaut la peine vraiment de faire le détour pour voir cette extraordinaire création ici. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très original qui va très bien avec le parc qui est aussi magnifique, le jardin qui est magnifique. Ça, c'est une sculpture qui a la particularité qu'on peut marcher dessus. Donne-toi la peine de marcher sur une sculpture. Ça, c'est quand même quelque chose, regarde. C'est du métal. C'est peut-être la seule fois de ta vie, tu auras le droit de marcher sur une sculpture. C'est du métal, en fait. C'est du métal. C'est de la Ça va très très bien ici, je pense que pour... Ça va tellement bien ici, j'aimerais bien qu'il y reste. Mais oui, voilà. On se rend compte que juxtaposer des éléments appartenant à différentes époques et de types différents, donc de l'acier et de la végétation, ça va très très bien finalement. C'est assez intéressant ça.